Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Kanga 9090 IA. Donc, c'est parti pour le déballage. Alors, pendant que je déballe, je vais vous parler un peu des différentes technologies que possède ce robot. Donc, on a le 3D Diana, l'Hightech Laser 360 que je vous montrerai après pour la suite, le Twin Floor, le Virtual Voice, c'est-à-dire que le robot est pilotable à la voix, donc via Google ou Alexa. On a aussi un Interactive Multimap 3.0 et un Roomplan 3.0 qui permet de faire une virtual map, c'est-à-dire de créer une map de là où le robot passe, c'est-à-dire que vous avez le plan de votre maison où vous pourrez ensuite sélectionner les différentes pièces. Donc là, à l'écran, on voit qu'il y a différents rouleaux de rechange. On a une serpillière en plus. La notice avec un QR code pour télécharger l'application qu'on fera juste après. Voilà, vous envoyez un. Un deuxième que je vais sortir. Voilà. Alors, il faut savoir que le robot possède une batterie de 6400 mAh, ce qui lui permet une autonomie d'environ 4 heures. Au niveau du bruit, on est sur 64 décibels, donc ça va, ça reste correct pour un aspirateur. L'aspirateur, on sent qu'il est assez lourd, il paraît très quali. Donc là, on va sortir le robot. Faire un peu de place là, parce que... Donc là, on a la station de charge de l'aspirateur qu'on ouvrira juste après. Le câble pour la station de recharge, du coup. Notre rouleau, je vous montrerai où on peut le mettre juste après. D'autres serpillères, une télécommande pour pouvoir contrôler le robot. Parce qu'il faut savoir que cet aspirateur a une fonction laveur, donc pour soif dure, avec une lingette Wash for You e-water. C'est ce qu'on a vu juste avant. Donc comme vous l'avez vu, les piles sont fournies également pour la télécommande, ça c'est bien ça. Donc là, encore une autre serpillière. Et là, le réservoir d'eau que vous allez pouvoir du coup remplir pour pouvoir passer en gros la serpillière. Le plastique est très quali. Ok, donc c'est parti pour le déballage du robot. Donc on voit bien le laser 360 en haut. Il a également une caméra devant qui permet la détection des obstacles. En plus du radar. Très beau produit. Donc là, on va enlever les protections pour le bumper. Voilà. Donc pour pas tomber dans les escaliers, l'aspirateur a 6 capteurs. Vous allez voir que je vais vous montrer. Non. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 capteurs. Donc ça lui permet de ne pas tomber dans les escaliers. Donc là les serpillères en rechange, voilà. On remarque également la brosse en caoutchouc qui permet d'aspirer les poils d'animaux. Et donc là, on peut la remplacer par celle-là.
Donc là, déballage de la station. Très quali, le plastique est très très beau, les finitions sont magnifiques. Donc là, le câble est, on le voit quand même assez long pour pouvoir brancher la station proche d'une prise. Donc là, assez compliqué de brancher le câble dans la station, hein. Donc c'est juste une prise avec deux trous, mais il faut beaucoup forcer pour la rentrer. Voilà, donc après il faut savoir que le robot a un système pour revenir automatiquement sur sa base de charge. Et grâce aussi au mapping, si le nettoyage est interrompu à cause de la batterie qui est HS, le robot peut repartir de là où il était. Donc là, le réservoir d'eau, vous voyez, il y a l'eau qui sort par là, et ça permet donc de passer la serpillière. Donc ça, c'est le stickers, vous pouvez le mettre, mais c'est pas obligé quoi. C'est parti, on se retrouve pour le test. T'as vu? Regarde. Tu vois pas, mais regarde sur ma main des fois. On voit les. Il fait. Il touche pas, il en fait. Il envoie des lasers et il esquive les objets. Ouais. Ah, c'est ouf. Pour le prix, j'espère bien qu'il fasse ça. Il est bloqué. Wow. Elles sont touchées. Hyper délicatesse. Il est fort, hein? Ah. Il y a une merde, il me perturbe à pas la ramasser, hein. Maintenant que le robot a pu en gros faire une petite cartographie de la maison, on va cliquer sur le bouton qui lui permet de revenir à sa base et on va voir s'il y arrive ou pas. Ah, j'espère qu'il va pas aller dans le bureau. Quand tu veux, frérot. Il va tout doucement pour être sûr de bien se mettre. En principe, la base est censée être collée au mur, mais il n'y a même pas collé au mur en plus. Tout en délicatesse. Et voilà, et donc pour terminer cette vidéo, un petit comparatif du Conga 90 IA versus le Romba J7 Plus. Donc le Conga est 100 euros moins cher. Alors qu'il possède en plus la cartographie laser et la serpillière, on remarque que sa puissance d'aspiration est également 5 fois supérieure quasiment, une capacité de réservoir nettement plus grande et également une autonomie largement plus élevée. Donc pour le prix, je recommande largement le 90-90 IA et j'en suis personnellement très satisfait, je vous le recommande fortement. Voilà. Merci à vous.